Pour le jour J, Meghan Markle a fait le choix de la sobriété. Le 19 mai dernier, pour son mariage avec le prince Harry, la duchesse de Sussex arborait un maquillage frais et lumineux, un léger smokey eyes et une touche de rouge à lèvres rosées. Et si est son ami de longue date Daniel Martin, qui a eu l'honneur de sublimer Meghan Markle. Il a d'ailleurs raconté dans l'émission Good Morning America comment elle lui avait proposé ce rôle. Elle m'a demandé par texto ce que je faisais le 19 mai en accompagnant son message de deux émojis, celui d'une mariée et celui d'un groom. Je lui ai répondu, ok, je vois de quoi tu veux parler, a expliqué Daniel Martin. Ce matin-là, il se souvient d'une future épouse très relaxée qui jouait avec son chien. On a pris le petit déjeuner, c'était une matinée très détendue. Sa maman était là, c'était génial, se rappelle-t-il. Pour son maquillage, Meghan Markle voulait quelque chose de simple. On a surtout appuyé sur ses yeux et ses lèvres, décrit l'artiste. C'était surtout pour la rendre sûre d'elle en ce jour si spécial. Pour cela, il n'a pas souhaité faire un maquillage trop voyant ni utiliser une trop grande quantité de fond de teint. Au lieu d'en mettre partout sur son visage, je me suis focalisée sur les endroits qui avaient besoin de lumière pour gommer les rougeurs ou les irrégularités. Et surtout, je voulais que l'on ne cache pas ces taches de rousseur.